Les autorités chinoises sanitaires ont exclu plusieurs possibilités dans l'épidémie de pneumonie survenue dans la ville de Wuhan. Les autorités ont indiqué qu'il ne s'agissait pas du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, ni du MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou de la grippe aviaire. Les professionnels travaillent encore à identifier le virus et sa source. Cette épidémie a débuté le mois dernier à Wuhan. On compte aujourd'hui 59 cas, dont 7 qui se trouvent dans un état critique. 163 personnes qui ont été en contact avec les patients ont été placées sous surveillance médicale.